Pour bien terminer le deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024 au complexe scolaire Cogito, les responsables de ce prestigieux lieu de savoir ont choisi à ce jour marquant les congés du parc de faire visiter aux apprenants du secondaire les sites historiques d'Abomey. Peace, Emmanuel, Kerat, Ziad. Pour ne pas rater cette belle occasion qui n'arrive une seule fois dans l'année scolaire, presque tous les apprenants du collège ont répondu favorable à cette sortie, dénommée sortie pédagogique. Déjà à 7h du matin, apprenants et personnels administratifs aux différents postes de responsabilité ont pris départ pour le premier site. Ici, nous sommes à Zobodome, là où l'histoire d'Abomey a commencé. Sur place, le guide touristique choisi pour faire visiter chacun des sites prévus dans cette sortie pédagogique explique aux visiteurs l'histoire de ce lieu sacré. Ce n'est pas le cas. Vous savez pourquoi? Vous avez entendu qu'il y a un certain roi qui s'appelait Atarosa. Vous le savez bien. Atarosa là, c'est le fils de Akongo. Donc après Akongo, c'est lui qui a créé. Vous voyez, c'est lui qui a créé. Mais quand Akodomu a interdit à l'initiation que le président ne doit pas être allé se former là. Atarosa en question, lui, il n'est pas fait. Il était là et il faisait des trucs qu'il ne va pas dans le royaume. Vous voyez? Et on a formé un coup d'État. Et il était même dans le palais, son migrant, le premier ministre, est dedans, son même, de la famille, le diapo. Juste après ce lieu sacré, départ pour le palais central d'Abomey. Ici, nul n'entre s'il ne déchausse pas. Pour ne pas respecter cette tradition, ces apprenants ont voulu rester à l'extérieur du palais royal pour savourer de l'histoire suite aux explications données par le guide. À ce stade, ces apprenants ont appris pas mal de choses sur l'histoire du roi Béhanzin, surtout la signification de chaque signe dessiné sur l'entrée du mur du palais royal. Au cours de cette sortie pédagogique, les apprenants ont parcouru presque tout le coin de la ville d'Abomey sous la conduite de leur guide, à savoir le palais du roi Gezo à Kana, le palais du roi Gezo à Gbekan et autres sites visités. Avant, c'était au sein du palais. Parce que
Donc, quand ils voulaient construire là, ils passaient par le palais pour aller à la messe. Maintenant, les Dahoméens ont dit non, que ce n'est pas le sujet. Ils n'ont pas trouvé de moyen pour eux. Et il a dit, comme je ne sais pas, il là, il a dit, il a donné beaucoup d'espace. Il a diminué son palais, il a donné beaucoup d'espace. Donc, le roi Gézo, il aimait. Après avoir tout visité comme prévu, c'est ici à la place Goho que ses apprenants ont achevé le cours sur l'histoire d'Abomey. Place donc au déjeuner. Faut pas l'approcher de ma gueule. Filez ma gueule.